Salut tout le monde, hello guys, hello everybody, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. J'avais envie de vous faire un petit vlog de ma soirée. Là il est, je vous dis quelle heure il est. Il est 20h52, je viens de rentrer chez moi, il faut que je fasse ma prière, il faut que je me mette en pyjama. Ma mère elle m'a offert un meuble pour changer ce meuble là, parce que ce meuble là, comme vous voyez en bas là, il est cassé. Il y a certains tiroirs qui sont cassés de ce meuble là. Du coup elle m'a acheté un nouveau meuble qui est un peu plus petit mais qui est trop joli. Du coup je vais tout là dedans, il y a tout mon maquillage, tout mon make-up est rangé là dedans. Du coup je vais tout faire le tri, je vais faire un grand tri. Je vais ranger le make-up, je vais virer ce meuble là. Et je vais mettre tout le make-up dans l'autre meuble et je ramènerai le meuble là. Enfin, je pense que je vais d'abord ramener le meuble. Et après je transverse le make-up qu'il y a dedans. Et celui là on l'enverra à la déchetterie. Donc voilà, d'ailleurs tout ce qu'il y a dessus, là, il faut que je fasse des tris, on verra comment on fera, on va faire tout ça ensemble. Voilà la outfit of the day, je vais monter sur mon lit, vous allez me voir. Voilà, donc du coup j'ai mis une robe, ça c'est une robe longue que j'ai mis avec un crop top par dessus la robe. Donc là j'ai une robe noire qui vient de chez Broadway, j'ai un crop qui vient de chez chemisier Lila qui vient de chez Seven. J'ai mis un foulard avec un chapeau, mon chapeau il vient de chez Primark. Et mon sac à main, j'avais ce sac à main, il vient de chez Mango. Voilà, j'ai fini, je me suis mise en pyjama. Je vais aller me faire à manger. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un truc le plus simple du monde. Le truc le plus simple du monde à préparer comme cuisine, comme nourriture. Des œufs au plat avec le jaune cuit cool et du pain dans le jaune avec un peu de sel, c'est tout. C'est tout ça, c'est tout ce que je demande là, Stars. Donc voilà, et après on s'occupera de mon meuble pour ranger mon make-up dedans. On va dans la cuisine, c'est parti. Je suis au téléphone avec Bay et je vais faire des œufs. Donc je sors les œufs. Ça veut dire mon chéri en anglais. Alors attends, je cherche les œufs, ils sont où? Ils sont où les œufs? Ah, ils sont là. Bien évidemment, je rince les œufs. Comment on dit? Mais la soucis, c'est chez les musulmans, on les rince les œufs, on les nettoie les œufs avant de les cuire, de les faire cuire. Ça va pas? Pas à l'intérieur, la coquille. Mais non, mais la coquille de l'œuf, ça se nettoie avant les œufs avant de les manger. Mais bien sûr que si, avant de faire cuire des œufs, tu chèves de l'œuf avant. Allez, c'est haram de manger les œufs comme ça sans les laver. On va aller. Non, c'est haram de manger les œufs sans les laver. Demande à ta mère ce soir quand tu vas la voir, tu vas à ce qu'elle te dit. Mais bien sûr que si, elle est au courant qu'il faut laver les œufs, ça va pas. Elle est au courant, tu verras, demande à ta mère, tu vas à ce qu'elle te dit. À Lyon, on t'entend là, tous mes abonnés ils t'entendent, tous ceux qui regardent ma vidéo ils t'entendent, dis-leur bonjour. Comment? Tous ceux qui regardent la vidéo là ils t'entendent, dis-leur bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les tiroirs vides du nouveau meuble. Je vais les laisser par terre. Je vais vider tous les tiroirs là et je vais ranger dans les autres tiroirs du meuble neuf. Il y a lui et celui d'en dessous, le tiroir qui est cassé. Du coup, je vais rentrer les tiroirs, je vais ranger ce qu'il y a là-dedans dans le tiroir du nouveau meuble. Après, je sortirai ce meuble vide dehors et je rentrerai l'autre meuble et je mettrai à sa place. Je vais nettoyer aussi par terre, il doit y avoir de la poussière en dessous. Et je mettrai les tiroirs remplis, les tiroirs du nouveau meuble que j'avais rempli, que j'aurai rempli dans le meuble et le meuble sera à sa place. Enfin voilà, je pense que c'est la meilleure technique que je puisse aborder. Pour ranger ce meuble, pour faire la transition des choses qu'il y a dedans. Parce que comment je fais sinon? J'ai ramené les tiroirs vides
Je vais pas les poser par terre, je vais les poser sur mon lit. Et je vais les remplir au fur et à mesure que je vide ce meuble-là. Ce plateau, il va me servir pour vider ce qu'il y a au-dessus du meuble, là, en haut. Je vais le nettoyer d'abord. Alors, les bougies. Comment ça s'appelle, le truc comme ça, déjà? Il est presque vide. Le diffuseur d'odeur. Les bougies, celles-là, elles sont vides, les bougies. Elles sont finies, ces bougies. Il est trop beau ce plateau, il y a plein de parfums, des bijoux et tout dedans. Je vais le poser sur le lit en attendant que j'ai mon nouveau meuble. Je l'ai posé là-bas sur le lit. On peut commencer les choses sérieuses, c'est-à-dire à vider les tiroirs de ce meuble. Est-ce que vous voyez bien? On change de cadrage ou pas? Ouais, on va changer de cadrage. Ce plateau, je vais le mettre de l'autre côté parce que c'est pas la peine qu'il soit dans le cadre. Oh non! Oh non! La catastrophe! Oh non! J'ai cassé ma palette d'highlighter, celle-là, ma préférée, celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Oh là là! Ça commence bien le tri du make-up, hein! J'ai tout cassé, moi! J'ai cassé une palette de highlighter L'Oréal, j'ai tout cassé! Bon, donc, là on a les tiroirs. Est-ce qu'on a un bon cadrage là? Il y a 5 tiroirs. 5 tiroirs, on les voit tous. Nickel, nickel, nickel. Alors là, on va commencer par les fonds de teint. Non, attendez. Déjà les faux ongles. Ces faux ongles, on va les mettre dans un coin. Après, on a tous les liners. Ça, c'est un épilateur électronique. Je n'en fais pas cet épilateur électronique. Je vais le mettre dans le plateau. Plus petit que celui de l'ancien. Oh là là. Attendez voir. Bah, les eyeliner et les primers pour les yeux, ils empêchent les fonds de teint de rentrer dedans. Je vais les mettre dans le deuxième tiroir, les fonds de teint. Ils prennent toute la place. Je vais mettre les faux ongles avec. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Je suis en train de commencer à remplir 2 boîtes sur 5. Et là-bas, on a les plateaux et là derrière, on a les fleurs. Le tiroir, il est tout vide. Donc, premier tiroir vidé. On continue. Je vous repose. Le deuxième tiroir, c'est le tiroir où il y a le plus de choses, c'est les rouges à lèvres. Tout simplement, de ce côté-là, on a tous les fards à joues et les bronzers. Et tout le reste, on a tous les rouges à lèvres. Il n'y a pas tous les rouges à lèvres, mais il y a une bonne partie des rouges à lèvres là-dedans. Donc, j'ai commencé à prendre un autre tiroir. Et je vais ranger dans un nouveau tiroir, dans celui-là. Voilà. Après, on a les lèvres là. Je vais les ranger avec les autres rouges à lèvres, toujours. On a un rouge à lèvres qui reste, pour lequel il n'y a plus de place dans les rangements en plexiglas. Donc je vais laisser tout seul comme ça, dans un coin. Bichette, il est puni. Au coin, rouge à lèvres.
fossiles, moi, je sais pas y mettre. Je sais pas mettre les fossiles. Et les fossiles magnétiques, j'en ai marre, je les perds tous. Je perds toujours un fossile sur quatre. Minimum. Je pense que je vais garder une boîte de magnétiques et une boîte de normaux. Et je vais, le reste, je vais les jeter. Ceux-là, ils sont, c'est une catastrophe, ceux-là. Mais je vais garder la boîte et je vais mettre les fossiles magnétiques, ceux-là que je garde, dans cette boîte-là. Je vais faire ça. J'ai mis les fossiles. Bah, ils sont pas déchirés, ils sont bien aimantés toujours. J'avais peur qu'il y ait un côté de l'aimant qui soit déchiré, ou que j'en ai perdu un peu, ou... Qu'est-ce que je dis, moi? J'ai perdu un peu de fossiles, ça veut rien dire. Mais en fait, j'ai cette boîte, c'est exactement les mêmes. Et de ceux-là, que ceux-là, parce que mais ceux-là, il en manque une rangée. Il manque une rangée de fossiles là-dedans. Du coup, ceux que j'ai sur moi, je vais les mettre là-dedans. Ceux-là, je vais les jeter parce que j'en ai horreur. Ils sont horribles, ceux-là. Ceux-là, ils sont trop moches. Ils sont tout droits. On dirait un balai. On dirait une brosse à balai à la place des cils quand on les porte. Et ceux-là, qu'il faut mettre avec la colle de chez Primark, ben, je vais les garder au cas où un jour j'ai envie d'essayer de... Ah, d'ailleurs, je vois quoi? Au fond du tiroir, je vois une autre paire. Je les garde ceux-là pour savoir si jamais une fois j'ai envie de... Un jour j'ai envie de me dire je vais apprendre à toute seule à les porter, à les poser et que je vais passer ma journée à essayer de les mettre et à la fin y arriver pour enfin dire ouais ça y est, En gros je tenterai quand même d'essayer de mettre des... Je tenterai quand même de mettre des fossiles même si je ne sais pas, toujours pas faire pour qu'un jour je sache enfin faire. Donc ceux-là je garde. Ça là. Ceux-là aussi je garde pour les remplacer celui que je perdrai... dans ce que j'ai mis sur mes yeux. Et cette boîte, je vais la jeter. Ça, je jette. Salut, la caméra, elle a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je suis dégoûtée, là, je l'ai mise à charger, mais elle va bientôt recouper, je crois. Du coup, je me suis occupée du tiroir de tout en bas, qui était cassé, là où il y avait les papiers, la paperasse. Je me suis occupée de la paperasse, j'ai fait le tri, j'ai jeté des trucs et tout. Donc voilà, et là, il ne reste plus que les soins. Les palettes et du make-up, encore des poudres, d'highlighter, trucs comme ça. Et il me reste encore de la place dans un tiroir entier et deux tiroirs où il me reste encore un peu de place, même trois tiroirs. Il me reste de la place encore dans les tiroirs. Donc genre, que je vais, j'ai vidé les deux premiers tiroirs. Ils sont tous les deux vides, les deux premiers tiroirs. Et on s'attaque au troisième tiroir, c'est parti. Bon, je vais commencer par les poudres. En fait, j'ai trois compartiments là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a trois bacs. Avec au milieu les highlighters, de ce côté la poudre et de ce côté les fards mono. Les fards à paupières mono. Du coup, je vais voir si ça rentre. Ça rentre pas. Oh non. Donc, là, je vais découper au ciseau. Pour que les trois compartiments ne soient pas collés les uns aux autres et que je puisse les mettre, les positionner dans les étagères, dans les tiroirs d'une autre manière. Que les trois collés les uns aux autres. Voilà. Donc là déjà, on a le compartiment des poudres. Là, c'est toutes mes poudres. Je vais y mettre là-dedans. On va voir là-dedans. Ça rentre. Et ça, est-ce que ça rentre dedans? Voilà, regardez ce que ça donne. À l'intérieur, c'est rangé comme ça maintenant. C'est pas mal, je suis contente. Je suis contente, on a gagné de la place. Donc... Comme ça, regardez. Là, on a les mascaras. En dessous, il y a les fards mono. Et juste par-dessus, j'ai posé les mascaras. Bon ben, vous savez quoi, encore un tiroir de vidé. Troisième tiroir vidé, j'ai des brosses à cheveux là. Je vais les mettre où? Et mes Beauty Blender Pro, je les mettrai pas avec mes anti-cernes plutôt. J'aimerais bien les faire rentrer. Comme ça mes brosses à cheveux, je les mets avec les fonds de teint.
Ah ouais, voilà, c'est parfait, ça rentre là. Et cette boîte de crayon à lèvres, où est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre là? Ça rentre là? Non. Non. Si je la mets debout, ben voilà, si je la mets debout, ça rentre. Parfait. Regardez. Du coup, là, j'ai mis les Beauty Blender sur le côté, dans cette petite pochette-là. J'avais l'autre sachet tout à l'heure. Je les avais mis dans ce sachet, mais j'ai changé tout à l'heure sans que vous me voyiez, sans que je filmais. Je les ai mis dans cette petite pochette à paillettes. Les Beauty Blender. Et là, on a le tiroir à rouge à lèvres avec les baumes à lèvres et les crayons à lèvres. Donc voilà, on continue maintenant. On a... Venez par là, je vais vous montrer mieux. Là, on a un tiroir où il n'y a que des soins. Que ce soit pour cheveux, visage, corps, tout. Pas tous mes soins, mais la plupart. Parce que certains, ils sont dans le tiroir de ma coiffeuse. Et là, on a toutes mes palettes. Plus ce coffret de 10 rouges à lèvres que je kiffe trop. Que je laisse avec les palettes. Les palettes, il leur faut un tiroir à elles toutes seules. Hein. Alors, j'espère que toutes mes palettes vont dans un tiroir. J'espère que mes palettes vont rentrer toutes dans ce tiroir. J'espère que je vais y arriver. On aura fini, hein, c'est déjà pas mal, là, c'est super bien là déjà. Les soins, après je vais les mettre où? Je pense que je les mettrai dans la salle de bain. Je sais pas où je vais mettre mes soins. Là-dedans, elles sont là les palettes. Enfin, je pense que je vais pas en racheter des palettes parce que là, et voilà, j'ai fini de ranger tout le make-up qu'il y avait dans le meuble, dans les nouveaux tiroirs, dans les tiroirs du nouveau meuble. Et maintenant, il faut que je sorte ce meuble dans la terrasse et que je rentre le nouveau meuble pour que je puisse ranger les tiroirs. Il est minuit 5 et j'ai toujours pas fini. Mais j'ai presque fini. On va sortir ce meuble. Oula, mais ça va pas passer là, ça va pas passer. Comment je vais faire? Si ça passe comme ça, est-ce que ça va passer? On dirait que je suis en plein déménagement. Et voilà le nouveau meuble. Il est plus petit. Hein. Il va prendre moins de place ici. Ici, il faut nettoyer. Hein. Non, attendez, il faut que je nettoie. Je vais nettoyer là avant de mettre le meuble. Il y a de la poussière par terre et des trucs. Voilà. Maintenant, on met ça là. Je le colle au mur. Hein. Ça fait de la place à côté. Hein. Je pourrais mettre quoi à côté? Je pourrais mettre une plante là, ça ferait joli. Il y a encore de la poussière. J'aurais dû passer à serpillère, je le ferai plus tard. Je vais commencer par le tiroir de rouge à lèvres. Le premier tiroir, ça va être le tiroir de rouge à lèvres. Je vais vous montrer les tiroirs au fur et à mesure, comment je les ai rangés à l'intérieur. Donc là, c'est comme ça. Ça va au premier étage. Après, je vais prendre le tiroir des fonds de teint. Attendez, il y a une crème là de jour. Une crème anti-rides, il n'a rien à faire ici. Voilà, donc là, c'est tous mes fonds de teint, avec des faux ongles, les sprays fixateurs et mes brosses à cheveux. Deuxième tiroir. Après, c'est quoi qui est tombé? Je pense que c'est ma mère qui fait du bruit, j'espère qu'elle a rien, qu'elle va bien. Après, on a tous mes anti-cernes, mes eyeliner, mes paillettes, mes beauty blender et tout. Je vais le mettre en troisième. Ici. Il y a encore un peu de place dans ce tiroir-là.
Après, mes poudres, mes primers, mes highlighters et mes mascaras et mes fards monochrome. Je les mets là. Voilà. Et enfin mes palettes. J'espère que le. Puis va rentrer le tiroir mes palettes là. Je vais le mettre en dernier. Et voilà, j'ai fini le tri, le rangement. J'ai tout fini. J'ai posé. Faut pas que je me mette devant la lumière. J'ai posé quelques petites décorations sur le dessus. Les choses que j'ai enlevées de l'autre meuble qui était dessus sur l'autre meuble. Et dedans, il y a tout mon make-up. Il y a tout mon make-up rangé bien dedans. Il y a tout qui est trié, rangé. Voilà, je ne vais pas tous les tiroirs parce que de toute façon, vous avez suivi toute l'aventure. Donc voilà, j'ai mon nouveau meuble, ça ressemble à ça. Il est plus petit que l'ancien. Et voilà. Je me suis bien amusée avec vous dans ce petit vlog, mes chouchous d'amour. Le vlog est déjà fini, la vidéo est déjà terminée. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!